Yo, salut à tous, c'est Benza, j'espère que vous allez bien tous. Alors, je fais une vidéo, c'est une intro évidemment, bon là je vais rentrer chez moi, mais je fais une intro, pourquoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une trentaine d'années au moins, donc du coup j'ai décidé de... Non, en fait c'est juste que je veux refaire du montage vidéo. Et pour refaire du montage vidéo, il faut des vidéos, sinon c'est la merde, voilà. Voilà, vous voyez la route. Bon, un peu en bancal, mais bon, vous la voyez quand même. Attends, il y a de la route là. Ah, va plus rien, ça y est, je suis aveugle. En fait, vous voyez une fois sur deux, ça qui est bien, parce qu'il y a les essuie-glaces qui essuient la, la glace, du coup. Enfin, le pare-brise, quoi. Putain, le mec, il s'est mis à 70. Attends, je vais te redresser un peu, copain. Sinon, tu vas rien voir. Petite course! Non, même pas personne intéressé par une petite course, c'est dommage. Évidemment, on dépasse pas les 50 hein, dans une course de ville. Hein. Sinon, c'est la merde. Après, après t'as des petits problèmes, tu vois ce que je veux dire? Putain, il y a un temps de chiotte, t'en empêche. Hein. C'est ça la campagne! C'est ça la putain la campagne, mon copain! Enfin, tu me diras, la campagne, on n'est pas vraiment, vraiment la campagne. Parce qu'on est quand même dans l'une des quelques plus grandes villes de. Du centre de la France, mon ami. Donc, voilà, quoi. Oui, t'as raison, toi. Double y a les zébras, trou de balle de mes couilles. Attends, est-ce qu'un machin peut aller un peu plus haut? Ah, bien sûr, il peut aller un peu plus haut. Ah, putain, il y a le feu qui se met en orange. Ah, salopin! T'as vu, comme ça, moi, tu vois un petit peu comment c'est fait chez là où je suis, là. Ah, tu vois les plaques d'immatriculation, attention, hein. Mais là, on va voir s'il fait une connerie, le monsieur, là. Ah oui, ah oui, ah oui. T'inquiète pas, c'est moi qui manipule le levier. C'est normal qu'il y ait un petit peu. Ah merde. Et là tu la vois plus la plaque. Bah si là tu la vois du coup. Eh c'est trop fort ce truc. Je vais le garder comme ça je crois. Bon allez le feu là, on se met un petit peu ouvert s'il vous plaît monsieur. Parce qu'il y en a qui doivent aller au boulot, excusez-moi pour le petit rototo. On croit que c'est grand une Twingo, mais. Enfin on croit que c'est petit une Twingo, mais c'est pas aussi petit que ça. Elle a un gros cul la Twingo hein. Je peux pas passer à ma gauche. Non mais les enfants, faut mettre un clignotant ici. J'adore faire le mode sport. J'ai un mode de conduite tranquille, tu vois, j'ai un petit mode sport. Qu'est-ce que tu fous dans mon armoire? Je peux savoir. Ça va me rendre fou cette histoire. Attends, on va faire un truc juste avant. C'est-il pas mieux comme ça hein? On y va. Bon alors, les petits potos, j'espère que ça va bien. On est passé à une autre POV. Bref, on va. Ouh, il y a des enfants. Est-ce qu'on a le droit de les écraser, les enfants, quoi? Évidemment, ceci était une bagarre. On n'écrase aucun enfant quand on conduit. Hip là, on tourne. Tourne, Nicotin, tourne, Nicotin. T'as raison, mais surtout pas de clignotant, mon pote. Le mec, il a une 5008 dans les mains. Ils ont oublié d'ajouter le clignotant, je crois, sur leur, sur ce type de voiture, mon poteau. Alors, on va aller chez Jiffy, on espère que c'est ouvert, Jiffy. T'as raison, toi, par contre, je tournais, frère, parce que sinon, je suis rentré. Même copain.
par contre, si on voit le vélo, 600. Ouais, mais il est fermé, peut-être. Sport. Bon, bah, les frérots, je vais malheureusement pas pouvoir filmer pendant 30 ans parce que bah, du coup, on peut pas filmer dans le magasin. Ouais, surtout, j'ai pas forcément de filmer dans le magasin. Donc, je vous dis à tout à l'heure. La petite marcheur du Seigneur, mon copain. Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais, à tout à l'heure. Bon, bah, les enfants, il s'est avéré que bah, là où je voulais aller, bah, c'est fermé. On s'ouvre à 14h. Il est 13h40. Du coup, on va devoir. On va devoir. Il est bien arrivé avec sa BM là, de merde. Des fois t'as des gens, ils ont des grosses voitures, ils se permettent tout et n'importe quoi, c'est chiant. Bref. Alors t'en as, ils ont des voitures tellement incroyablement puissantes, enfin pas incroyablement puissantes, mais tellement chères qu'ils veulent pas, comment dire, faire. Ouh, c'est très très chaud mon poteau ce que t'as fait. C'est très 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 chaud. T'es un encul, hein? Quoi? Je te jure, frérot, le camion il serait arrivé un tout petit peu plus vite, c'était sûr, il rentrait dedans. Bon, bah là, mon copain, attends, va! Je vais vous montrer les conneries que font les gens chez moi. Il repart chez moi. See the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow. Merci d'avoir regardé mon petit frérot. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker et à commenter. Et surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et dis-moi si t'as kiffé la vidéo et si tu veux que j'en fasse d'autres comme ça. Voilà. Allez, zibou les frérots!